va s'arrêter. J'ai des problèmes avec le buggy. Commandant, qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que c'est la transmission. Je vais jeter un coup d'œil. Il faudrait mieux grimper avant sur les hauteurs. Évitons d'être coincés dans ce canyon quand l'orage éclatera. Hé, hey, pas de panique, Seattle, le gros de l'orage est à des kilomètres. Quand bien même, le sol n'arrive pas à absorber toute l'eau de pluie dans le désert. Le flot se précipite sur les basses terres. Un orage peut provoquer des inondations dans des canyons à des kilomètres de là. Il ne faut pas se croire en sécurité sous prétexte qu'il ne pleut pas où on est. Hé, hey, au cas où ça t'aurait échappé, nous ne sommes pas en Arizona. Je suis du Nouveau-Mexique, au cas où... Montons aux étages supérieurs. Ne commence pas à nous faire des caprices. Obligé de démonter l'ensemble boîte pompe pour voir ce qui était traqué. Au moins, on est sûr de ne pas manquer de flotte. Ah, hein? On dirait un petit chat qui miaule. Mais c'est un chaton. Enfin, presque. Tu n'as plus rien à craindre, mon minou. Je ne te ferai pas de mal. Il a dû être chassé de son abri par une vague. J'espère que ça ne l'a pas traumatisé. J'y vais. Je vais l'appeler Toulouse. Il lui ressemble. Ah oui, comme dans les Aristochats, avec son petit frère Mozart. Son frère Berlioz et sa sœur Marie. Oh. Hein? Oh. Hé, hey, j'ai été petit moi aussi. Ne t'attache pas trop à cette bestiole. C'est pas d'où elle vient. Je sais une chose, c'est qu'il doit avoir faim. Qu'est-ce que ça mange, ça? J'ai comme une petite faim, moi aussi. Hey! C'est ma ration, t'as qu'à aller chercher la tienne. Hein, Toulouse aime les mêmes chances que toi. Ça prouve que c'est un être primitif. Hein? Oh. Oh non! Toulouse! Harrison, besoin de soutien aérien. Cet animal fait partie de la chaîne alimentaire, non?
feu, c'est parti avant que Seattle le trouve. Oh. Qui se nourrit de chêne? C'est ce qu'on appelle une image, Dragon. La chêne, c'est le rapport nutritionnel entre différentes espèces. L'énergie se transmet d'un être vivant à l'autre. Ça part des végétaux, ça se poursuit par ceux qui s'en nourrissent, et ça se termine par les carnivores. Ah. Harrison! Là-haut, sur la plateforme rocheuse. Chacun son tour. Il m'a piqué mon casse-croûte, je te pique le tien. Et moi non plus, au cas où ça t'intéresse. Tout va bien, mon petit bonhomme. Je vais m'occuper de toi. Tu n'as plus rien à craindre maintenant. Tout bien considéré, je préfère entendre Harrison ronfler. Il vaudrait peut-être mieux qu'il couche dehors. Il risque un mauvais coup. Il en risque un très mauvais s'il reste à l'intérieur. Vous n'êtes pas méchant de nature. Je le sens en moi. Non, mais au prochain hurlement, c'est la porte. Et réfléchis bien à ce que tu fais, Seattle. Ce n'est pas un jouet. Qui dit adoption, dit responsabilité. Tout le monde t'aime beaucoup. Moi, je te le dis. Impossible. Écho, il est beaucoup trop petit pour manger tout ça à la fois. Oh, Toulouse? Non, oh, est-ce qu'il a grandi, le petit bonhomme? Il est tout à fait inhabituel chez un être aussi génétiquement complexe d'atteindre la taille adulte aussi rapidement. Il n'a peut-être pas fini sa croissance. Seattle, il faut qu'on parle. Je sais que je ne pourrai pas le garder s'il continue de grandir. Tu crois pouvoir le garder même maintenant? J'avais un chien gros comme lui quand j'étais petit. Oh non! Enfin, peut-être pas aussi grand. Qu'à veille à ce qu'il ne mette pas l'équipe en danger. Je vais le surveiller. Hé hey! Oh non! Oh, pas vrai! Oh. Ah, tu m'entends? Couché. Élémentaire. Tu vois ce... Va
chercher. Recommence. Tu vois le bout de bois? Va chercher, Toulouse. Laisse. Regarde comment on fait. Observe, Toulouse. Hein? Tu vois, c'est pas compliqué. Seulement, il était aussi bien dressé pour tout. Doudou, mon gros. Nous allons partir à la recherche de nourriture. Tu restes ici pour donner un coup de main à Echo. Pourquoi? Je peux ratisser plus large que vous avec la moto. C'est moi qui vais la prendre. Tu as d'autres responsabilités dans le camp. Oui, énorme. Passer la clé dynamométrique. Je suis là pour ça. Merci. Le plus fort. Boîte à outils. Toulouse. Le tournevis. Apporte. Oui, tu y es. Gentil Toulouse, oui. Ah, je ne trouve pas ça drôle. À toi, Toulouse. Bravo. Viens en chercher un autre. Peut-être que si tu changeais la tension des courroies... Non, vous irez les synchros. Réparé. Tu m'avais dit que ça ne devait prendre qu'une heure ou deux. On a perdu du temps à chercher les pièces et à les nettoyer, commandant. Oui, elles étaient enterrées. Devinez par qui? On va installer l'éclairage pour finir ça dans la nuit. Parfait. Départ demain de bonne heure. Pas grand-chose à manger dans le coin. Pas si mauvais que ça. Hein, mon gros? Dis-moi, que comptes-tu faire de Toulouse quand on s'en ira? On peut l'emmener. Je sais m'occuper de lui. Dis plutôt que tu veux t'en occuper, mais rien ne prouve que c'est la bonne solution. Toulouse est issue de cette planète. Sa place est ici. Oh là 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 là! Tu ne vois pas que c'est impossible? C'est à cause du chien. Quand j'étais petite fille, j'ai recueilli un chien errant. Quand on s'est installé en ville, mes parents ont dit qu'on ne pouvait pas le garder. J'ai été obligée de le laisser au voisin. Ce n'était pas juste. Mes parents ont fait ce qu'il fallait pour le chien. Et toi aussi, tu dois penser au bien de Toulouse. Thank you.
quelques kilomètres d'ici, ils se reposent. Ils vont bientôt connaître le repos éternel. Nous lancerons l'assaut final quand tout aura explosé. Et ils l'ont bloqué. Vous êtes tous condamnés. Ce n'est plus qu'une question de temps. Non. T'as qui le tient? Nous n'allons tout de même pas capituler devant cette bande de sauvages. Même si certains d'entre nous s'en sortaient, les Tlacas auraient vite fait de les rattraper, privés de leur véhicule. Bon, si on doit tenter une percée, c'est maintenant ou jamais. Non. Regardez. Le canyon risque de subir un raz-de-marée. Il vaudrait peut-être mieux se replier. C'est ridicule. La pluie tombe à des kilomètres. Comme vous voudrez, commandeur. Ce n'est pas parce qu'on est loin qu'on est à l'abri d'une inondation. Qu'est-ce qu'ils sont nuls, ces Tlacans ? Ils en sortiront vivants ? Tous. Quelqu'un veut peut-être repêcher notre ami d'Aquil et l'adopter. Mon bonhomme. J'ai cru qu'on ne se reverrait plus. Mais arrête ! Non ! Ah ! Mais je sens le chien mouillé maintenant ! Oui, c'est vrai. L'odeur est enfin supportable. C'est à toi de décider, Sienne. À toi de prendre tes responsabilités. Je sais, mais c'est dur. Bien que je sache qu'à partir du moment où on a un animal, il faut toujours agir dans son intérêt. Même si ce n'est pas tout à fait le nôtre. Sa place est ici, dans la nature, avec ses congénères. J'aimerais seulement qu'il comprenne pourquoi je m'éloigne de lui. Il l'a compris. Et il l'accepte.